Bonjour à tous. Alors, n'hésitez pas à nous dire dans les questions-réponses, s'il vous plaît, si vous nous entendez bien, si vous avez, si le son fonctionne et si vous voyez bien, les caméras à l'écran. Merci beaucoup. On va attendre un petit peu avant de démarrer. Ah, je vois que ça répond. Merci beaucoup pour vos retours. Donc, si ça fonctionne bien, bah écoutez, on va pouvoir démarrer sans attendre. C'est très bien. Allez, bonjour à tous. Donc, bienvenue à ce deuxième webinaire proposé par les caisses primaires d'assurance maladie des Pays de la Loire. Donc, je suis Antoine Rochepot, en charge de la relation entreprise pour la caisse primaire de Maine-et-Loire. Avant de commencer, je vous rappelle quelques règles de fonctionnement. Donc, installez-vous confortablement, évitez les distractions. Vous pouvez utiliser donc l'onglet, vous l'avez déjà remarqué, questions-réponses, qui est en bas de votre écran, pour poser vos questions. Donc, nous prendrons un temps à l'issue de la présentation pour y apporter réponse. Donc, si toutefois nous ne sommes pas en mesure de répondre à toutes vos questions, nous reviendrons vers vous à l'issue. Par contre, toute question qui concerne une situation particulière, eh bien, ne sera pas traitée aujourd'hui, hein. Ce n'est pas la vocation de ce webinaire. À l'issue de cette présentation, vous pourrez renseigner un bref questionnaire pour donner votre avis. Alors, merci par avance, de prendre le temps d'y répondre. Ça nous sera très utile. Voilà. Aujourd'hui, donc, Hélène va m'assister dans la gestion de vos questions. Donc, je la laisse se présenter. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Hélène Mauduit, je suis conseillère informatique et services auprès des entreprises du département de la Vendée. Merci beaucoup Hélène. Et je vais maintenant laisser la parole donc à Jérôme, hein, qui est notre animateur du jour et qui va réaliser la présentation. Donc je vous souhaite à tous un bon webinaire et à tout à l'heure. Bonjour à tous, je me présente, Jérôme Minguin, je suis conseiller informatique service dédié aux entreprises au sein de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe. Avant de débuter, un petit rappel. Donc, sur l'année 2021, à l'échelle des Pays de la Loire, l'assurance maladie a traité plus d'1 million d'attestations de salaire reçues de manière dématérialisée, qui est un chiffre en forte hausse à la suite du contexte sanitaire, de l'ordre de plus de 25% par rapport à 2019. La qualité des flux que nous recevons et traitons va impacter forcément les délais de traitement. Pour les Pays de la Loire, le taux d'attestation non conforme moyen est de 5,86%. Sachez que ce taux va varier selon le canal de transmission de l'attestation de salaire, soit par NetEntreprise ou la DSN. Ainsi, pour les signalements d'arrêt de travail issus de NetEntreprise, les taux d'attestation non conformes sont de 9%. Par contre, pour toutes celles qui sont issues de la DSN, le taux d'attestation non conforme chute à 3,5, 3,80% à peu près. C'est pour ça qu'on insiste sur les signalements en DSN. Donc aujourd'hui, nous allons faire un point sur les 10 bonnes pratiques pour un signalement d'arrêt de travail réussi. L'objectif est de vous accompagner bien évidemment dans la saisie en ligne de vos signalements d'arrêt de travail, qu'ils soient réalisés depuis votre logiciel de paye en DSN ou alors depuis le formulaire attestation de salaire sur NetEntreprise. Tout d'abord, nous allons débuter par un programme. Donc, nous allons aborder les différents points qui suivent. Une première partie sur la réglementation où nous verrons à quel point et à quel moment signaler un arrêt de travail et quels sont les prérequis nécessaires à la saisie. Ensuite, nous donnerons des précisions sur les points clés de la saisie, comme le dernier jour de travail, les salaires rétablis, les primes en accident du travail, mais aussi la subrogation ou les transmissions des pièces justificatives. Après cette partie, nous aborderons ce qui vient après le signalement afin d'avoir un suivi de vos signalements via les outils du suivi que sont le tableau de bord en DSN et le bordereau de paiement des indemnités journalières, ce qu'on appelle le BPIJ. Nous verrons également comment corriger une erreur grâce à l'attestation de salaire rectificative via NetEntreprise ou le signalement annulé remplace en DSN. Enfin, nous finirons par aborder le sujet de la reprise d'activité, qu'elle soit simple, à l'issue d'un arrêt ou anticipée. Comme le précisait Antoine, nous aurons ensuite l'occasion d'échanger à la fin de cette présentation via un échange de questions-réponses. Nous allons donc commencer par la première partie sur la réglementation afin de savoir à quel moment signaler un arrêt de travail. Donc, à quel moment signaler un arrêt de travail? Donc, tout simplement, à réception d'un avis d'arrêt de travail initial d'au moins une journée d'arrêt, il faudra réaliser un signalement dans les 5 jours qui suivent.
à cela vaut pour chaque élément qui occasionne un arrêt de travail, que ce soit en maladie, en maternité, en accident de travail ou en maladie professionnelle. Si les arrêts s'enchaînent avec des risques différents, un arrêt maladie puis un congé pathologique par exemple, il faudra réaliser un signalement pour chaque changement de risque. Donc un signalement en maladie puis un en maternité. Pour rappel, le bulletin d'hospitalisation vaut arrêt de travail et doit être envoyé à la caisse primaire d'assurance maladie dont dépend votre salarié par ce dernier au même titre qu'un arrêt de travail classique. À l'inverse, il y a des situations pour lesquelles un signalement n'est pas nécessaire. Cela évite par exemple des doublons dans les réceptions des attestations de salaire. Lorsque vous avez une prolongation d'arrêt maladie, par exemple, il n'est pas nécessaire de faire un deuxième signalement. Il n'est pas non plus nécessaire de nous signaler la reprise d'activité dès lors qu'elle est issue à la fin de l'arrêt, car nous tenons cette information depuis la prescription d'arrêt de travail. Il n'est pas nécessaire non plus de signaler la prolongation de l'arrêt de travail, comme je le disais, pour éviter les doublons. Dans les deux cas, il faudra pour vous reporter l'information sur la date de reprise dans votre logiciel de paye, sans pour autant faire de signalement, afin de clôturer votre arrêt. Nous allons débuter par un petit sondage afin d'avoir un petit peu vos retours sur l'utilisation de la DSN dans vos entreprises. Donc on vous laisse quelques secondes, quelques minutes pour y répondre. Merci à vous. Donc on peut voir que parmi les répondants, on a une très grosse majorité qui utilise le signalement DSN autant que possible. Donc ce webinaire va vous permettre d'acquérir peut-être des connaissances supplémentaires sur l'envoi de vos signalements afin d'éviter que vos signalements arrivent, enfin, reviennent en rejet, en chaos comme on dit, et afin d'avoir peut-être des pratiques supplémentaires à adapter dans vos entreprises ou à partager avec vos collaborateurs pour être encore plus efficient dans l'envoi de vos signalements. Pour ceux qui n'utilisent pas le signalement d'arrêt de travail, ne vous inquiétez pas, on va faire le point tout au long de ce webinaire sur les pratiques à adopter pour vous lancer et vous lancer correctement dans l'utilisation de la DSN. Merci pour vos réponses. On va pouvoir continuer. Donc, à quel moment signaler l'arrêt de travail? C'est là qu'on en était. Donc là, on revient sur comment signaler un arrêt de travail avec un distinguo soit en DSN, soit via Net Entreprise. Donc, deux méthodes possibles. Afin d'éviter les doublons, on vous invite à n'utiliser qu'une seule de ces deux méthodes, soit la DSN, soit Net Entreprise, bien évidemment. Sur la gauche de votre écran, c'est le signalement d'événement arrêt de travail en DSN, donc déclaration sociale nominative, pour ceux qui se demandent encore pourquoi ce sigle, donc déclaration sociale nominative, depuis votre logiciel de paye. Suite au signalement, une attestation de salaire est reconstituée par nos services sur la base à la fois du contenu des signalements, du signalement et de vos données mensuelles, telles que les éléments de salaire, le nombre d'heures travaillées, le type de contrat, etc. Le signalement va remplacer l'attestation de salaire et déclenche le paiement des indemnités journalières par la caisse primaire d'assurance maladie. Pour pouvoir signaler un arrêt de travail, votre logiciel doit être compatible avec la norme NEODES, la norme qui régit la DSN et qui permet de mettre à jour tous les logiciels de paye tous les ans. Cette norme évolue tous les ans. Il faut également disposer d'un historique de données suffisant. 3 mois pour un arrêt maladie, 12 mois pour un arrêt accident de travail, maladie professionnelle. La DSN, c'est le canal que nous souhaitons privilégier parce que c'est à la fois plus simple et plus fiable. Vous déclenchez un événement d'arrêt de travail et l'attestation de salaire est reconstituée. Vous n'avez plus à saisir d'éléments de salaire tels que le nombre d'heures travaillées, le montant du salaire, éventuellement un salaire rétabli. Toutes ces données sont issues de vos DSN mensuelles précédentes. Sachez également que depuis 2020, il y a ce qu'on appelle le chaînage par le NIR. Vous pouvez donc signaler un arrêt de travail en DSN dès l'embauche de votre salarié, sans attendre les 3 mois d'ancienneté, les 3 mois d'historique, puisque le système informatique est en mesure de retrouver les heures pour l'ouverture des droits, ainsi que les salaires de référence sur un autre contrat de travail au sein de votre entreprise ou au sein d'une autre entreprise pour votre salarié. Sur la droite de l'écran, si vous ne pouvez pas utiliser la DSN, vous pouvez le faire via le formulaire attestation de salaire sur Net Entreprise. Ce formulaire est à remplir manuellement avec toutes les informations suivies d'une astérix
d'une astérisque, pardon, qui sont à remplir obligatoirement. L'attestation spécifique congé de deuil et de l'enfant est disponible maintenant depuis 3 mois, depuis début janvier, sur Net Entreprise, alors que ce n'était pas le cas avant, mais qu'elle était disponible sur la DSN. On va maintenant parler des prérequis nécessaires à la saisie de vos signalements d'arrêt de travail. Alors, parmi les prérequis, on parle bien évidemment du paramétrage de votre logiciel de paye. Il est très important que ce paramétrage soit effectué correctement par votre éditeur, avec une vigilance particulière sur les données identifiantes, telles que le contrat de travail ou la catégorie socio-professionnelle de votre salarié. Soyez attentif lors de l'envoi de vos DSN mensuels en vérifiant votre BIS, le bilan d'identification des salariés, qui vous alertera sur les éventuelles divergences entre votre logiciel de paye et les données issues de l'assurance maladie. On tient également à rappeler que tout changement doit faire l'objet d'une modification, d'un signalement dans le bloc changement de votre DSN. Nous allons maintenant aborder différents points clés de la saisie, à commencer par le dernier jour de travail, le dernier jour travaillé. Le dernier jour travaillé est une information importante qui nous permet de bien identifier quel arrêt concerne votre signalement. Ainsi, nous recevrons parfois des attestations de salaire avec un dernier jour de travail qui n'est pas forcément cohérent avec les prescriptions de repos, les prescriptions d'arrêt de travail enregistrées dans nos bases et transmises par vos salariés. Deux règles existent aujourd'hui par rapport au dernier jour de travail. Soit votre salarié n'a pas travaillé le jour de son arrêt de travail, auquel cas son dernier jour de travail se situera à la veille de la prescription. Ici, sur votre écran, vous avez l'exemple à gauche, avec un salarié qui a travaillé le 26. Son dernier jour de travail sera donc le 25. Soit votre salarié a travaillé le jour de son arrêt de travail, alors son dernier jour de travail se situera le même jour. Si votre salarié a par exemple travaillé le 26 et qu'il a eu son arrêt de travail le 26 également, alors son dernier jour de travail sera le 26 et l'indemnisation débutera au 27. Sachez que dans ces situations, toute journée de travail débutée par votre salarié, même pour une seule minute d'activité, n'est pas indemnisable par la caisse primaire d'assurance maladie. Nous regardons ici le cas particulier de l'accident de travail ou de trajet. Pour rappel, lorsque vous avez un accident de travail ou une maladie professionnelle, surtout un accident de travail, vous, en tant qu'employeur, vous devez réaliser une déclaration d'accident de travail dans les 48 heures. Celle-ci est possible via Net Entreprise, via le téléservice DAT, déclaration d'accident de travail dématérialisée. Pour plus d'informations sur cette déclaration d'accident de travail en ligne, vous pouvez nous communiquer vos coordonnées en privé par le chat ou par les questions-réponses et on pourra éventuellement revenir vers vous si vous souhaitez un accompagnement ou plus d'informations sur cette thématique. Pour revenir à notre exemple présent à l'écran, vous avez deux situations possibles. Soit l'accident a lieu sur le lieu de travail, ici le 12 juin, l'arrêt de travail démarre donc le jour de l'arrêt. Comme le salarié était sur site lors de son accident, le dernier jour de travail sera le jour de l'accident, soit le 12. Par contre, si l'arrêt démarre après le jour de l'accident, sur l'exemple de droite, le cas numéro 2, votre arrêt de travail débute au 14, alors que l'accident de travail a eu lieu le 12, alors le dernier jour de travail sera la veille, soit le 13. Nous avons également le cas du temps partiel thérapeutique. Trois situations se suivent. Un arrêt à temps plein, sur le premier exemple, du 7 septembre au 14 décembre, suivi d'une reprise à temps partiel du 15 au 31 décembre, puis un nouvel arrêt à temps plein du 1er au 10 janvier. Il faudra donc réaliser à chaque nouvelle période une attestation de salaire. Pour le premier arrêt à temps plein, puis le temps partiel thérapeutique, et à nouveau le troisième arrêt à temps plein.
Par contre, pour l'arrêt de travail à temps plein qui débute au 1er janvier, le dernier jour de travail sera différent, puisque il y a une reprise à temps partiel thérapeutique du 15 au 31 décembre. Le salariat a une reprise effective de l'activité, même si elle est partielle. Alors, votre attestation de salaire, votre signalement pour l'arrêt du 1er janvier sera avec un dernier jour de travail différent au 31 décembre. Enfin, nous souhaitions évoquer avec vous la situation d'un enchaînement d'arrêt sans reprise d'activité, mais avec des changements de risque. Sur l'exemple du bas, vous avez une frise avec un arrêt maladie suivi d'un congé pathologique, d'un nouvel arrêt maladie et du congé maternité. Nous vous avons rappelé tout à l'heure qu'il fallait faire un signalement d'arrêt de travail pour chaque période. Ce sera donc le cas ici, puisqu'il y a à chaque fois un changement de risque. Il n'y a pas de reprise d'activité. Le dernier jour de travail sera identique pour les quatre signalements. Mais par contre, il faudra bien faire quatre signalements pour les quatre périodes. Il faudra donc quatre pièces comptables, puisque vous avez par exemple une évolution qui peut être effectuée sur la subrogation. Vous pouvez subroger en maladie ou en congé pathologique, mais pas en maternité, etc. C'est pour ça qu'il faut un signalement pour chaque période d'arrêt. Nous allons maintenant évoquer les salaires rétablis. Donc, en cas d'absence autorisée pendant la période de référence, il faudra renseigner ce qu'on appelle le salaire rétabli. C'est un salaire reconstitué qui correspond au salaire brut soumis à cotisation. Ce salaire rétabli est calculé par l'employeur en fonction des absences autorisées, telles que les congés, les absences planifiées, les absences d'un commun accord avec l'employeur pour un rendez-vous autre. En tant qu'employeur, vous êtes responsable du rétablissement du salaire. L'assurance maladie se réserve le droit de demander les éléments nécessaires à la vérification du calcul, aux besoins, tels que des bulletins de salaire. À l'inverse, toutes les absences qui sont non autorisées ne donnent pas lieu au rétablissement du salaire. Par exemple, les absences sans justificatif médical, etc. Les absences prolongées sans raison, toutes ces absences ne font pas partie des absences autorisées et ne bénéficient pas donc d'un rétablissement du salaire. Dans le cadre du salaire rétabli, vous avez deux possibilités, donc soit lorsque vous utilisez la DSN ou lorsque vous les faites via les entreprises. Pour ce qui est du signalement d'arrêt de travail en DSN, c'est très simple. Il n'y a pas de saisie de salaire à faire lors de votre signalement. Les données vont être extraites et issues de vos DSN mensuelles précédentes, depuis le bloc que nous indiquons, donc le S21, qui correspond au salaire reconstitué, au salaire rétabli. La différence est plutôt avec le formulaire Net Entreprise. Qui va s'effectuer via une saisie en deux temps. Vous avez une première partie où vous devez indiquer les salaires réellement versés, les salaires bruts réellement versés dans le cadre d'un arrêt maladie, les salaires bruts moins 21% dans le cadre d'un arrêt maternité ou pathologique. Et vous devez, dans une deuxième sous-étape, renseigner les motifs d'absence, le nombre d'heures réellement effectuées sur le mois en question par votre salarié, le nombre d'heures prévues au contrat de travail et enfin les salaires rétablis. Attention, l'absence de salaire rétabli est un motif de rejet par les caisses primaires d'assurance maladie. Soyez donc vigilants lors de vos saisies nettes entreprises sur la partie des salaires. Petit focus sur le cas d'une nouvelle embauche sur la période de référence. Vous aurez donc un salaire à zéro pour le ou pour les mois qui précèdent le mois de l'embauche de votre salarié et un salaire rétabli uniquement sur le mois de l'embauche de votre salarié. C'est la nouvelle règle qui s'applique aujourd'hui dans le cadre des attestations de salaire et donc dans le cadre de votre saisie sur Net Entreprise. On continue sur les points clés de la saisie avec la saisie des primes et accessoires de salaire. En cas d'accident de travail donnant lieu à un arrêt de travail, il faudra en renseigner une attestation de salaire au motif accident. Le calcul des indemnités journalières se fait sur la base du salaire brut du mois qui précède le dernier jour travaillé. Il faudra déduire de ce montant les accessoires de salaire, tels que les primes, gratifications et indemnités, qui doivent être renseignées séparément. En effet, toutes les primes versées dans les 12 mois qui précèdent l'arrêt de travail doivent être indiquées à partir de la rubrique rappel de salaire et accessoires. Pour ne pas se limiter aux primes versées dans les 12 mois qui précèdent votre dernier jour de travail, il faudra parfois déclarer les primes versées
avant ce délai, puisqu'elles sont reportables. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à nous contacter sur la plateforme téléphonique ou par mail pour pouvoir échanger sur ce sujet. Concernant les primes, vous avez tout ce qui est gratification et indemnité à périodicité non mensuelle, les indemnités liées à la rupture d'un contrat de travail, les primes exceptionnelles telles que le 13e mois, la prime de vacances, etc. Les primes varient selon les entreprises, donc il y en a une multitude qu'on ne va pas toutes citer, bien évidemment. Pour vous, à noter, lorsqu'une prime est versée en même temps que le salaire de référence et qu'elle concerne une période plus longue, elle doit être déduite de votre salaire et indiquée dans la partie rappel de salaire et accessoires. Vous avez à l'écran un exemple avec un accident de travail ayant eu lieu le 3 décembre 2020 et ayant entraîné un arrêt de travail. Dans cet exemple, deux primes sont exclues du brut avec des périodicités différentes. Selon ces périodicités, ces primes seront prises en compte ou non dans le calcul des indemnités journalières dans le cadre de l'accident du travail. Vous avez toujours le taux forfaitaire de 21% à appliquer, 21% du brut, et c'est à vous, dans le cas d'une attestation nette entreprise, de faire le calcul. Si ce calcul est erroné, c'est également un motif de rejet. Soyez donc vigilant à bien indiquer les bons pourcentages. Concernant les périodicités des primes, il faut savoir que si vous avez une prime qui se rapporte à une période de 12 mois, alors le montant de cette prime sera divisé par 12 dans le cadre du calcul de l'IJ. De même que si c'est une prime qui correspond à une période de 6 mois, elle sera divisée par 6 et ainsi de suite. 3, 6, 9, 8. En fonction de la périodicité, on divisera par le nombre de mois concernés. Pour ce qui est du signalement en DSN, encore une fois, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas de prime à saisir lors de votre signalement. Les données sont issues, encore une fois, de vos DSN mensuelles précédentes. Sachez également que dans le cadre de la DSN, si vous faites un signalement AT, accident de travail ou maladie professionnelle, une attestation à signalement va se générer automatiquement et ce sera transparent pour vous dans vos déclarations au risque maladie, puisque dans le cadre de l'instruction d'un dossier, le dossier de votre salarié peut être indemnisé provisoirement sur une base maladie. La DSN va générer, en plus de votre signalement AT ou MP, un signalement maladie pour ce paiement provisoire. Dans le cadre du formulaire Net Entreprise, il y a à nouveau une saisie en deux temps, même en trois temps, puisque vous devez saisir les salaires bruts, suivis dans une deuxième sous-partie des salaires, des primes et du taux forfaitaire de 21%, et dans une troisième sous-étape des salaires éventuellement rétablis. La mauvaise prise en compte est un motif de rejet. Soyez donc vigilant sur votre saisie Net Entreprise. Comme je le disais, il y a une nouveauté sur les accidents du travail dans le cadre du signalement en DSN. Pour les maladies pro et le risque AT, un seul signalement en DSN génère une attestation au risque AT-MP et une attestation en maladie, comme si vous aviez envoyé les deux attestations. Ça permettra de faire un paiement de l'indemnité journalière provisoire au risque maladie dans le cadre de la reconnaissance de l'AT et une régularisation automatique si votre AT ou l'AMP est reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie. Il y a également dans les points clés de la saisie la notion de subrogation. Donc, tout le monde doit savoir ce qu'est aujourd'hui la subrogation, ou aussi connue sous le nom de maintien de salaire. Donc, la subrogation qui correspond au versement des indemnités journalières à l'employeur. En contrepartie, l'employeur doit maintenir le salaire de son salarié au minimum à hauteur des indemnités reçues. À noter que la subrogation peut également s'appliquer aux indemnités journalières versées dans le cadre du temps partiel thérapeutique. Tous les employeurs ne le savent pas, ont des hésitations. Dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique, vous pouvez également maintenir le salaire. Il faut préciser si votre subrogation est souhaitée et la période concernée par votre demande. Mais nous vous invitons à ne jamais vous limiter à la période d'un arrêt de travail. Ne jamais limiter vos dates de début et de fin à la prescription reçue de votre salarié.
Il faudra systématiquement indiquer la période maximale du maintien de salaire prévue par votre convention collective. Même si vous avez un arrêt de 3 jours et que votre convention prévoit 3 ans, alors vous maintiendrez votre salaire pour 3 ans, même si c'est un arrêt de 3 jours. Pourquoi? En cas de prolongation de cet arrêt de travail, nous suivrons la période indiquée sur l'attestation initiale. Donc, si vous avez indiqué les dates de l'arrêt de travail, nous allons interrompre le versement des indemnités journalières à l'employeur et nous verserons directement à l'assuré. Bien évidemment, si vous vous en rendez compte après et que vous nous adressez une attestation de salaire rectificative, nous ne pourrons pas régulariser sur la période déjà versée. C'est pour ça qu'on vous invite à mettre les dates prévues par votre convention collective et les dates maximales. Si vous souhaitez modifier les dates de subrogation pendant l'arrêt de travail pour revenir pour la réduire, par exemple, dans le cadre d'une fin de contrat ou autre, vous pouvez nous adresser une attestation rectificative sur Net Entreprise. Comment cela se passe lors de la saisie? Soit via Net Entreprise où vous devrez indiquer une attestation rectificative avec la saisie des nouvelles coordonnées bancaire et les nouvelles dates, soit en DSN. Sachez que dans le cadre d'un envoi en DSN, les coordonnées bancaires seront remontées automatiquement par le biais du signalement d'arrêt de travail et elles serviront donc à l'indemnisation des arrêts. Par contre, via Net Entreprise, vous devrez saisir à chaque attestation salaire le l'IBAN de votre entreprise et les dates que vous souhaitez appliquer à l'arrêt de travail en question. Soyez vigilant sur cette dernière partie, sur la partie de l'IBAN, puisqu'elle est désormais obligatoire et que vous ne pouvez pas copier-coller votre IBAN. Il faudra être vigilant lors de la saisie à bien vérifier que votre IBAN correspond à celui que vous avez saisi, puisque beaucoup d'erreurs de saisie nous sont remontées aujourd'hui sur cette thématique et qui font que des paiements s'effectuent sur des comptes fantômes ou des comptes clôturés. Soyez donc vigilant à cette saisie de l'IBAN. Nous allons maintenant vous proposer deux petits sondages sur la partie du dernier jour de travail et de la subrogation. Merci à vous d'y répondre. Donc, ces deux petits cas pratiques où on vous demande votre avis. Donc pour cette première question, la question était, votre salarié est en arrêt de travail à compter du lundi 21 mars, que devez-vous indiquer? Donc vous aviez le choix entre le vendredi 18 et le dimanche 20 mars. Donc effectivement, la réponse a été donnée par une majorité d'entre vous, c'était le dimanche 20 mars, puisque soit c'est la veille de l'arrêt, soit c'est le jour de l'arrêt, mais ça ne peut pas être le dernier jour réellement travaillé, par exemple le vendredi. Ce sera vraiment la règle de la veille de l'arrêt ou du jour de l'arrêt qui s'impose. Nous allons donc faire un deuxième sondage sur la partie de la subrogation. Donc là, voici, lorsque vous pratiquez la subrogation, les dates à indiquer sont soit les dates de l'arrêt en cours, soit la période maximale prévue dans la convention collective. Donc c'est le sujet qu'on a abordé juste avant. Je vais vous laisser clôturer vos réponses. On a à peu près 98-99% d'entre vous qui répondez correctement, mais on ne le répète jamais assez puisque c'est quelque chose qui est très important. Les périodes de subrogation sont indiquées par rapport à la période maximale prévue par la convention collective et jamais, vraiment jamais, par rapport aux dates de l'arrêt de travail. Il faut vraiment bannir cette idée d'indiquer les dates de la subrogation en fonction des dates de l'arrêt de travail. Pour continuer, nous allons faire un dernier point sur les points clés de la saisie, sur la partie des pièces justificatives. Alors, avant de débuter sur les pièces justificatives, on va vous poser un nouveau sondage sur justement les pièces justificatives afin d'avoir vos retours.
Donc, on souhaite surtout savoir comment aujourd'hui vous transmettez vos pièces justificatives. Donc, vous avez quatre possibilités, soit par net entreprise, soit par l'adresse mail dédiée aux pièces jointes, soit par un autre canal ou soit par courrier. Donc pour le coup, on voit qu'on a des réponses assez partagées. Quelques-uns d'entre vous nous envoient des pièces par courrier, d'autres par un autre canal. La majorité d'entre vous par l'adresse mail dédiée aux pièces jointes ou par Net Entreprise. Alors, par Net Entreprise, c'est devenu compliqué aujourd'hui puisque le mode opératoire pour l'envoi des pièces jointes, la façon de faire avec une transmission de pièces jointes directement dans la déclaration Net Entreprise a été supprimée. C'est pour ça que vous devez utiliser au plus possible la procédure que je vous présente maintenant. Concernant la liste des pièces jointes que vous pouvez nous adresser, sauf demande expresse de votre caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre de l'étude d'un dossier, vous devez nous adresser les justificatifs d'accouchement, de naissance ou d'adoption, et également le tableau de fractionnement des périodes de congé paternité, et uniquement ces pièces, sauf, comme je le disais, dans le cadre d'une demande expresse de l'entreprise. Ces pièces doivent être transmises à la caisse de rattachement de votre salarié. Celle-ci est notamment indiquée sur l'attestation de droit que votre salarié peut télécharger depuis son compte Amélie. Si vous n'en avez pas, si vous en avez besoin, si vous ne savez pas où est affilié votre salarié, profitez-en, parlez-lui du compte Amélie et de la possibilité d'avoir son attestation de droit directement sur son PC ou sur son smartphone avec l'application du compte Amélie, ce qui vous permettra à vous de la récupérer rapidement. Concernant l'envoi des pièces jointes, le titre de votre mail doit être composé de votre SIRET, le SIRET à 14 chiffres, et le nom de la pièce jointe que vous souhaitez nous envoyer doit être un document PDF dont le nom est constitué comme présenté à l'écran, avec le risque, donc AS, MA pour maternité, AT, 1-8, le underscore, le numéro de sécurité sociale du salarié concerné, un nouveau underscore et la date d'envoi, par exemple 05-04-2022. L'information de comment fournir une pièce jointe est systématiquement intégrée au compte rendu que vous pouvez recevoir par mail lors du traitement de vos attestations de salaire, qu'il soit positif ou négatif. Pensez donc à utiliser les adresses mail qui sont présentes sur le support pour nous adresser vos justificatifs. Une fois que vous avez effectué vos signalements, vous recevez des informations sur le traitement. On va faire le point sur les outils du suivi. Pour vérifier un paiement d'indemnité journalière, si les indemnités journalières ont été versées à l'assuré, alors ce dernier peut le consulter directement depuis son compte Amélie. Pour consulter le détail des indemnités journalières versées en subrogation, donc directement à vous en tant qu'employeur, il y a le bordereau de paiement des indemnités journalières. C'est un service complémentaire à l'attestation de salaire en ligne et à la déclaration sociale nominative, à la DSN. Donc, il est accessible depuis le tableau de bord DSN, donc directement en cliquant sur « Accéder au BPIJ » dans votre tableau de bord DSN, ou depuis le site Net Entreprise en allant dans l'onglet « Attestation de salaire » et en cliquant sur le bordereau des paiements des indemnités journalières. Vous avez également les comptes rendus métiers qui font suite au traitement par l'assurance maladie. Ils soit valident le traitement avec un compte rendu OK ou ils signalent une anomalie bloquante avec un compte rendu KO. En ce qui concerne la DSN, ils sont visibles dans votre tableau de bord. Par contre, pour ce qui est du formulaire Net Entreprise qui est utilisé, ils vous sont envoyés par mail à l'adresse renseignée sur votre compte Net Entreprise. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez aller vérifier votre adresse mail et éventuellement faire une demande de modification pour que l'adresse mail utilisée sur votre compte Net Entreprise soit la bonne et que vous receviez correctement les différents comptes rendus.
Également, nos services pourront être amenés à vous réclamer des précisions si nécessaire par le biais du compte-rendu, telles que, une information sur les salaires ou autre. C'est pour ça que la mise à jour de votre adresse mail est importante. Il y a parfois des confusions. On voulait donc vous rappeler la différence entre les accusés de dépôt et les certificats de conformité. Le certificat de conformité vous indique que votre fichier DSN de signalement d'événement arrêt de travail est conforme à la norme et qu'il pourra être exploité. Par contre, l'accusé de dépôt vous confirme que votre attestation de salaire via notre entreprise a été déposée. Dans les deux cas, c'est une preuve de dépôt avant traitement et non pas une preuve de paiement. Il faut bien être vigilant sur ces notions. Nous avons ici à l'écran le suivi de la DSN grâce au tableau de bord DSN. Ce tableau de bord est accessible, donc, comme je le disais, depuis votre logiciel de paye. Soit vous avez un lien direct ou directement un reflet de votre tableau de bord dans le logiciel, soit depuis votre compte Net Entreprise, dans l'onglet DSN Régime Général. Ici, on voit une capture d'écran du tableau de bord. On peut sélectionner en bas les flux signalement d'événements. Quand on parle de fichier conforme, cela signifie qu'il respecte la norme DSN et qu'il peut être traité, pas qu'il est payé, encore une fois. Si vous souhaitez consulter le traitement de vos signalements d'événements, vous pouvez cliquer sur les loupes qui se trouvent sur la droite de vos signalements. Lorsque vous cliquez sur les loupes, vous visualisez différentes étapes du traitement. Lorsque votre signalement a été traité, vous aurez accès à ce qu'on appelle un bilan de traitement. Il faudra cliquer sur ce lien pour ouvrir le bilan et voir le retour de la caisse primaire d'assurance maladie concernant le dossier. Par exemple, ici, des notifications peuvent être envoyées lorsque des corrections sont nécessaires pour le paiement des indemnités journalières. Typiquement, quand le salaire est erroné, que les salaires enregistrés ne semblent pas correspondre avec la situation de votre salarié, il faudra revoir de votre côté pour modifier les salaires et nous générer un signalement annule et remplace, sur lequel nous allons revenir juste après. Pour corriger une erreur, justement, quand le compte rendu de l'assurance maladie annonce une anomalie, telle qu'on l'a vu juste avant avec le salaire, ou qu'une attestation KO revient dans votre tableau de bord, ou alors que vous avez une demande de précision, il est nécessaire de faire une attestation de salaire rectificative. Dans le cadre de l'attestation de salaire rectificative, deux possibilités, la DSN ou Net Entreprise, encore une fois. Vous pouvez, dans certains cas, faire un signalement annule et remplace quand des informations déclarées dans vos signalements sont erronées, telles que le dernier jour de travail ou la période de subrogation. Par contre, il faudra être attentif à la cohérence, pardon, avec les attestations précédentes, les derniers jours travaillés, les subrogations déjà mises en place, etc. Vous ne pouvez faire que des modifications qui se portent sur les éléments de date ou sur des éléments saisis dans le signalement d'événement. Pour tout ce qui est anomalie liée à un élément de salaire, vous devrez exploiter ces signalements hors du signalement d'événement, puisque l'attestation annule et remplace, le signalement annule et remplace ne sera pas possible. Vous devrez donc, dans ces cas-là, passer par une attestation salaire rectificative sur Net Entreprise. Pour saisir une attestation de salaire rectificative via Net Entreprise, vous devez, à l'étape numéro 4, renseigner et cocher la case qui correspond à l'attestation rectificative. Cette étape est très importante. Pourquoi? Parce que lorsque vous oubliez de préciser l'attestation rectificative, nous ne serons pas en mesure d'identifier que cette attestation vient remplacer une première attestation déjà envoyée. L'attestation sera donc considérée comme un doublon et ne sera pas systématiquement exploité. Il faudra donc être attentif à la cohérence des attestations produites précédemment, comme je le disais, puisque si vous ne notifiez pas de rectificatif et en plus les salaires sont différents, une question va se poser, il y aura une annulation du traitement de l'attestation et éventuellement un recontact de la part de la caisse primaire d'assurance maladie vers l'employeur. Nous allons maintenant évoquer la reprise d'activité lorsqu'elle est planifiée ou anticipée. Donc,
L'attestation, la déclaration, la date de reprise peut varier selon votre logiciel de paye. Vous pouvez avoir une appellation qui est date de fin d'arrêt, date de reprise, date de retour. On va parler de la même chose, c'est juste que selon vos logiciels de paye, elle peut avoir une appellation différente. Vous avez tout d'abord la reprise qui est dite simple, c'est-à-dire à la date prévue à la fin de l'arrêt de travail. Lorsque votre salarié reprend son activité, vous devez vous alimenter dans votre logiciel la date de reprise réelle afin de clôturer la période d'arrêt. Cette information ne fait pas l'objet d'un signalement, mais alimente vos DSN mensuels. Pourquoi on vous précise cela? Parce que si aucune date de reprise de travail n'est indiquée, le système va automatiquement générer un signalement d'événement de plus de 6 mois à partir de 4 mois après la date de début de l'arrêt de travail. C'est-à-dire que vous avez un arrêt qui débute au 1er janvier. Au 1er avril, votre logiciel va générer systématiquement et automatiquement, sans que vous ayez à faire quoi que ce soit, une attestation de plus de 6 mois qui va être exploitée par votre caisse primaire d'assurance maladie et qui sera exploitée à tort, puisque on peut imaginer que cet arrêt de travail s'est clôturé au bout de 15 jours. Pour nos services, ça engendre un taux assez important de réception d'attestation de salaire de plus de 6 mois à tort, puisque c'est un flux que nous devons traiter, mais qui n'est utile à personne. Il faut donc bien saisir la date prévue dans vos logiciels afin de clôturer vos arrêts. Vous avez le cas particulier de l'arrêt maladie qui suit un congé maternité, par exemple. Lorsqu'un arrêt maladie est directement suivi d'un congé maternité, le déclarant, donc vous en tant que déclarant DSN, doit clôturer l'arrêt maladie. Pour cela, vous devez renseigner une date de reprise de travail au sein de votre DSN mensuel qui concerne l'arrêt de travail afin d'empêcher la génération d'une attestation de plus de 6 mois à la caisse primaire d'assurance maladie. Cette date est à déclarer même s'il n'y a pas eu de reprise effective de travail entre la période de la maladie et la période de la maternité. Dans ce cas, la date de reprise sera indiquée à la veille de l'arrêt maternité. Concernant la reprise anticipée, votre salarié a repris son travail avant la fin de la période prescrite. Vous devez nous transmettre sans attendre, dès que vous avez l'information de son retour sur son activité professionnelle, un signalement DSN de reprise ou une attestation de salaire net entreprise de déclaration de reprise anticipée du travail. Vous avez ce choix à l'étape numéro 2, où vous devrez juste indiquer la date de reprise anticipée sans avoir besoin de notifier de salaire, etc. C'est très important pour que les caisses primaires n'indemnisent pas au-delà de son jour de retour au travail, enfin de la veille de son jour de retour au travail. Puisque si on indemnise jusqu'au vendredi alors que votre salarié est revenu le mardi ou le mercredi, par exemple, nous serons dans l'obligation d'effectuer un indu, une reprise des indemnités sur soit vos prochaines prestations perçues en tant qu'employeur dans le cadre du maintien de salaire, soit directement auprès du salarié. C'est jamais agréable. C'est pour ça que dès lors que vous avez connaissance d'une reprise anticipée, pensez bien à nous la notifier, que ce soit en DSN ou via Net Entreprise. Nous arrivons maintenant au récapitulatif de toutes les bonnes pratiques, de tous nos conseils. Donc sur la partie réglementation, lorsque vous devez signaler tout arrêt de travail, à chaque changement de risque et à chaque changement de période, tels que le congé paternité, le congé maternité, le congé pathologique, chaque nouvelle période nécessite un nouveau signalement. Pensez à vérifier les données identifiantes en DSN, telles que le numéro de sécurité sociale de vos salariés, le type de contrat, et à utiliser les blocs changement lorsqu'ils sont nécessaires. Le dernier jour de travail doit être appliqué selon la règle sous laquelle soit le dernier jour de travail est à la veille de l'arrêt ou au jour de l'arrêt si la journée a été travaillée. Les salaires rétablis doivent apparaître en cas d'absence sur la période et pas en salaire, et pas de salaire à saisir en DSN. Pensez bien à cette subtilité. En DSN, tout est beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile. Si vous en avez l'opportunité, rapprochez-vous des personnes qui peuvent vous permettre de passer en DSN et de débuter dès à présent la DSN. Dans le cadre du signalement DSN en AT ou en MP, pas de prime à saisir et une attestation maladie va être générée automatiquement. C'est la nouveauté depuis le début de l'année. Une attestation en AT génère en plus une attestation en maladie.
Concernant la subrogation, je le répète, pensez à indiquer les dates prévues par votre convention collective, les dates maximales, et non pas les dates limites de votre arrêt de travail. Enfin, pensez à utiliser les différentes adresses mail qu'on vous a communiquées lors de l'envoi de vos pièces justificatives. Concernant le BPIJ, pensez à aller consulter votre tableau de bord régulièrement. Essayez de prendre cette habitude une fois par semaine, deux fois par semaine si vous avez beaucoup de signalements, si vous êtes dans des grosses structures, afin de vérifier que vos signalements sont bien passés et qu'ils sont exploités. Enfin, lorsque vous souhaitez corriger une erreur, pensez à bien cocher la notion de rectificatif lors de l'étape 4 sur les entreprises ou à renvoyer une attestation annulée remplace lorsque c'est possible via la DSN. Et notre dernier conseil concernant la reprise d'activité, lorsque vous avez une reprise, pensez à la renseigner votre logiciel de paye et de clôturer chaque période d'arrêt en cas d'arrêt de travail successif et de faire un signalement uniquement si la période de reprise est anticipée et pas prévue. Si vous appliquez tous ces petits conseils, vos retours négatifs dans le cadre de vos signalements en DSN vont se réduire forcément. Et avec un accompagnement dédié de la part de vos CIS dans vos départements, des conseillers informatiques services, vous pourrez vous rapprocher d'une exploitation maximale de la DSN. C'est ce qu'on souhaite pour vos entreprises, pour tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'on vous propose tous ces conseils. Si vous avez des questions, si vous souhaitez vous informer, vous pouvez contacter notre plateforme téléphonique au 36 79 du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 sans interruption. Si vous souhaitez vous informer, rendez-vous sur amélie.fr. Vous pouvez également retrouver les différents créneaux horaires où vous êtes susceptible d'avoir le moins d'attentes sur la plateforme téléphonique. Et si vous souhaitez avoir des informations écrite, papier, je vous invite à vous rendre sur amélie.fr dans la rubrique entreprise. En haut à gauche de votre écran, vous avez assuré professionnel de santé et entreprise. Pensez bien à cliquer sur entreprise pour voir la partie qui vous concerne. Vous pouvez également contacter en cas de problème sur le site Net Entreprise, la hotline, pour toutes vos questions qui concernent les téléservices Net Entreprise, hors déclaration d'accident de travail, hors DSIJ, donc l'attestation de salaire, ou la DSN et le compte ATMP. Vous pouvez les contacter aux numéros qui sont affichés à l'écran. Si vous voulez également vous former à l'utilisation, vous pouvez retrouver des informations, des formations sur l'onglet formation-net-entreprise.fr. Et enfin, vous pouvez consulter la base de connaissances de Net Entreprise en allant tout en bas de la page d'accueil dans vous informer. Vous aurez l'accès à la base de connaissances Net Entreprise. Également sur amélie.fr, vous pouvez retrouver le guide DSN arrêt de travail où on reprend toutes les bonnes pratiques. C'est un petit mémo que vous pouvez télécharger et utiliser de manière quotidienne pour vos signalements en DSN. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter 3 minutes entreprise. C'est une newsletter qui est mensuelle par l'assurance maladie, par la partie risque professionnel et qui est dédiée aux entreprises. Donc vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Vous recevez un mail avec du coup le 3 minutes tous les mois pour les nouveautés liées à la partie risque professionnel. Je vous remercie pour votre attention. Nous allons maintenant pouvoir passer à la phase de questions-réponses. Nous allons commencer par les questions qui ont été posées lors de votre inscription. Si jamais, je le répète, comme l'a précisé Antoine en début de présentation, si vous avez des questions qui concernent un dossier en particulier, nous n'y répondrons pas aujourd'hui, mais nous y reviendrons individuellement. Pour ce faire, je vais échanger avec Hélène sur la partie questions-réponses. Me revoici. Effectivement, pendant ce webinaire, j'ai compilé un petit peu les questions que vous avez pu poser. Alors, nous n'allons pas forcément toutes les évoquer à l'oral, puisque certaines d'entre elles ont trouvé réponse dans le déroulé du webinaire. Donc, normalement, au moment où vous avez posé la question, vous n'aviez pas la réponse, mais maintenant, ça doit être le cas. Nous allons reprendre, comme le disait Jérôme, les quelques questions qui ont été posées au préalable au moment de votre inscription par certains d'entre vous et pour lesquels on a estimé qu'il était important de faire une réponse à tous.
Donc, une des premières questions que je te pose, Jérôme, c'est est-ce que ce webinaire s'adresse également à d'autres salariés comme les salariés de la MSA, par exemple? Alors, il faut savoir que le webinaire s'adresse en priorité aux salariés du régime général. Par contre, sur les grands principes qu'on a évoqués, cela reste la même chose. Vous pouvez vous adresser, si vous souhaitez avoir davantage d'informations, à votre caisse de référence. Mais encore une fois, sur les grands principes du signalement, de l'attestation de salaire, ça reste la même chose. Sauf que ici, le webinaire que nous vous présentons s'adresse en priorité aux salariés du régime général. Merci. Nous avons eu quelques questions préalables sur la gestion d'un congé paternité. Donc, je pense que l'objet n'était pas aujourd'hui de développer la nouveauté liée au congé paternité. Donc, si vous en êtes d'accord, les questions que vous avez pu poser, mes collègues et moi-même, en fonction de la CPAM à laquelle vous êtes affilié, enfin, de laquelle dépend votre entreprise, nous reviendrons vers vous dans un second temps parce que vous avez peut-être besoin d'un accompagnement un petit peu plus personnalisé sur la gestion du congé paternité. À retenir quand même que le principal changement, c'est effectivement le fractionnement pour lequel vous devez faire à chaque nouvelle période une nouvelle attestation et envoyer le tableau correspondant. C'est bien ça, Jérôme? C'est ça, effectivement, le tableau de fractionnement à envoyer pour chaque période d'indemnisation et le signalement DSN ou l'attestation de salaire pour chaque période indemnisée. Très bien. Alors, nous avons quelques questions générales liées à l'envoi des signalements d'arrêt de travail en DSN. Je vais essayer de les poser dans un ordre logique. Je m'excuse à l'avance si ce n'est pas toujours le cas. Donc, un participant nous dit « déposer sur notre entreprise ces signalements DSN ». Est-ce que tu peux nous rappeler les différents modes d'envoi d'un signalement DSN ? Alors, au niveau des différents modes, vous avez effectivement, vous pouvez envoyer directement depuis votre logiciel de paye s'il le permet. Sinon, vous pouvez également générer des fichiers au format TXT et les déposer sur Net Entreprise dans l'onglet Régime Général, enfin DSN Régime Général, afin de les adresser de la même manière que sur le logiciel de paye en DSN. Merci beaucoup. Donc, effectivement, nous vous invitons à vérifier auprès de votre éditeur de logiciel quel va être le mode d'envoi qui correspond à votre outil. Une petite question, je pense qu'il va être assez simple d'y répondre. Doit-on faire une attestation de salaire en plus si on a déjà envoyé le signalement des SN ? Surtout pas. C'est à bannir de vos pratiques. Si vous faites un signalement des SN, il n'y a rien d'autre à envoyer, sauf demande express de votre caisse primaire par le biais du retour dans le code du compte rendu. Un signalement DSN est suffisant. Une attestation de salaire Net Entreprise est suffisante. Les deux ensemble sont à bannir. C'est une procédure qu'il ne faut surtout pas appliquer. Merci. Alors, tu nous as dit tout à l'heure que quand des arrêts se suivaient, hein, en cas de prolongation, il n'était pas utile de faire une nouvelle attestation de salaire, de faire un nouveau signalement en DSN. En revanche, s'il y a des arrêts cochés prolongation, mais sur lesquels il y a une reprise de travail entre les deux, ça se passe comment ? Alors, si vous avez un arrêt de travail qui est prescrit, suivi d'une reprise de travail et un nouvel arrêt qui est coché prolongation, s'il y a une reprise effective de travail, vous devrez faire un nouveau signalement, puisque chez nous, auprès des caisses primaires d'assurance maladie, ils seront considérés comme des nouveaux arrêts initiaux. Merci beaucoup. Et puis, enfin, une petite question dont la réponse, je pense, va réjouir un certain nombre d'entre vous. Pourquoi le temps partiel thérapeutique ne peut-il pas être signalé en DSN ? Alors, le temps partiel thérapeutique ne pouvait jusqu'à présent et ne peut toujours pas dans l'immédiat être signalé en DSN parce que les logiciels étaient prévus de sorte à ce que le temps partiel thérapeutique ne puisse pas être signalé au développement. Cependant, pour votre information, le signalement DSN du temps partiel thérapeutique devrait arriver prochainement. Bien évidemment, vous en serez informé. La communication sera faite par les caisses primaires lorsque celui-ci sera possible, mais il est en cours de développement et il devrait arriver prochainement dans les signalements possibles en DSN. Merci Jérôme. Quelques remarques ou questions liées à la subrogation maintenant. Tu as dit notamment, et c'est très très important, de ne pas se limiter à un arrêt de travail et bien indiquer les dates maximum prévues par la convention collective ou l'accord d'entreprise.
Petite question, lorsqu'il s'agit d'un CDD, est-ce qu'on peut se limiter à la date de fin de contrat ? Alors, si le CDD se termine et vous savez qu'il n'y a pas de prolongation de ce contrat, vous pouvez, mais nous vous conseillons toujours de vous référencer à la date maximale de votre convention, tout simplement parce que si vous indiquez une période qui va bien au-delà de l'arrêt de travail, vous pourrez, en cas de prolongation du CDD, percevoir. Par contre, si vous êtes sûr que le CDD s'arrête, pensez bien à vous limiter à la fin du CDD pour ne pas recevoir les IJ à la place du salarié après le contrat qui est prévu chez vous. Et une autre question qui est assez technique, mais que j'ai trouvée intéressante, si sur une même période de temps partiel thérapeutique notamment, il y a une partie du mois qui est subrogée, une autre qui ne l'est pas, on peut imaginer une fin de droit à subrogation, est-ce qu'il faut faire deux attestations ou simplement indiquer la période subrogée sur une seule attestation ? Alors, j'ai peur de bien avoir pas tout saisi, mais si je comprends correctement, vous devez faire une attestation de salaire via notre entreprise, du coup, dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique, avec uniquement la période de subrogation qui correspond à la période que vous souhaitez, si c'est par exemple du 10 au 14 ou du 1er au 15 du mois, alors vous n'indiquerez une période de subrogation qui correspond à la période souhaitée en maintien de salaire. J'avais compris comme toi, je pense que c'était bien ça la demande. Alors ça me rassure. Nous passons maintenant à la procédure d'envoi des pièces justificatives. Donc, certains d'entre vous nous ont demandé des adresses mail. Donc, Antoine vous les a adressées dans le fil de discussion. Avec le support, on pourra vous envoyer dans un second temps également le lien vers notre entreprise où vous avez toutes les adresses mail de France pour pouvoir adresser les pièces justificatives pour des salariés qui ne résideraient pas soit dans le département de l'entreprise, soit dans les départements limitrophes, puisqu'on s'est contenté dans notre support de ne mettre que les adresses des pays de la Loire, mais nous vous ferons parvenir la liste complète qui est déjà accessible sur notre entreprise. Si vous tapez « pièces jointes », vous trouverez le document. Voilà pour ça. Et puis, on demande s'il faut joindre ou si on peut joindre un bulletin d'hospitalisation. Alors, vous pouvez le joindre, sachant que, comme je le disais en début de présentation, le justificatif d'hospitalisation fait foi d'arrêt de travail. Donc, votre salarié est censé nous l'adresser dès lors qu'il sort de l'hôpital, voire même parfois, selon les hôpitaux, il nous l'adresse automatiquement directement aux caisses primaires auprès de laquelle est rattaché le salarié. Mais vous pouvez, dans le doute, tout de même nous le joindre, nous le transmettre si vous savez que votre salarié n'a pas pu le faire ou qu'il est en incapacité de le faire pour qu'on puisse le traiter. Merci. Alors, sur les questions qui ont été posées pendant le déroulé du webinaire, j'ai fait à peu près le tour, mais depuis, il y en a quelques-unes nouvelles qui sont intervenues, donc je regarde rapidement pour pouvoir les poser. Alors, un employeur nous signale que malgré le changement de ses coordonnées bancaires, ça n'a pas été pris en compte par la caisse primaire de destination. Donc, à la personne qui a posé la question, je vois qu'Antoine est en train d'y répondre, je vous invite à faire une réclamation directement auprès de votre caisse primaire pour régler cette difficulté, on va dire. Qu'en est-il ? Alors, nous vous avons indiqué les modalités d'envoi des pièces justificatives grâce à la boîte aux lettres, la boîte mail DSNPJ avec l'extension qui correspond à la caisse primaire. Il peut exister quelques spécificités, mais qui seront précisées lors de vos échanges avec nos collègues. C'est vraiment la procédure en première instance. Lorsque vous faites un signalement d'arrêt de travail et que vous avez une pièce justificative à adresser, c'est vraiment bien d'adresser sur DSNPJ. PJ plus l'extension, bien sûr. Quelques questions, mais qui sont un petit peu plus techniques. On reviendra vers les personnes dans un second temps. Les pièces jointes pourront-elles être envoyées par la DSN ? Alors, par la DSN, probablement pas directement, mais à venir dans les mois qui viennent, là, un nouveau dispositif, on ne peut pas encore trop vous en parler, pour envoyer les pièces jointes, mais un peu comme la sortie du temps partiel thérapeutique, vous serez informé de manière assez globale par la caisse primaire dont vous dépendez ou par une communication nationale sur les nouvelles modalités d'envoi.
J'en profite, le temps qu'Hélène regarde si d'autres questions peuvent être importantes à évoquer dès à présent. Nous avions une question en amont de ce support, en amont de cette présentation, sur le fait de savoir si oui ou non le versant fonction publique serait abordé dans le cadre de ce webinaire. Donc, dans le cadre de la fonction publique, tous les salariés contractuels et les moins de 28 heures sont concernés, puisqu'ils sont affiliés au régime général, ils sont donc concernés par ce webinaire. Pour les autres, pour le coup, ce n'est pas nous qui devons être les référents pour vous répondre. Alors, une dernière petite question sur le signalement d'arrêt de travail ou l'attestation de salaire lorsqu'un salarié tombe malade le mois de son embauche. Alors, même principe que sur ce que j'ai présenté tout à l'heure. Alors, éventuellement, je peux revenir sur cette diapositive. Hop. Donc ici, nous vous avions présenté l'exemple où le salarié avait été embauché au mois de décembre et qu'il avait un arrêt de travail au mois de janvier. Si, par exemple, il était embauché au mois de janvier pour un arrêt de travail au mois de janvier, alors vous indiqueriez 3 mois à zéro. En DSN, soit il y a un historique qui permet de récupérer des informations liées à un ancien contrat chez vous ou chez un autre employeur, à ce moment-là, on pourrait éventuellement l'indemniser. Sinon, dans le cadre d'une déclaration d'aide entreprise, vous indiquerez des salaires rétablis à zéro et la caisse primaire se rapprochera de vous ou du salarié concerné pour éventuellement lui demander des pièces complémentaires à l'étude de son dossier et l'indemnisation éventuelle de son arrêt de travail. Merci Jérôme. Donc, de mon côté, j'ai fait le tour des questions. Alors, je vois qu'il y a une question par rapport à un arrêt Covid. On reviendra vers la personne directement. Et puis, voilà, des questions très spécifiques, mais auxquelles on répondra individuellement. Merci beaucoup Hélène. Eh bien, écoutez, notre webinaire touche à sa fin. C'était la deuxième session de webinaire régional proposé par les Pays de la Loire sur les bonnes pratiques arrêt de travail. Nous sommes très heureux d'avoir pu répondre à vos questions aujourd'hui. À l'issue donc, de ce webinaire, vous aurez un questionnaire qui vous sera proposé. Donc, merci par avance pour vos réponses, ça va nous aider à améliorer notre accompagnement. Et une troisième date vous est proposée le 28 avril, si je ne dis pas de bêtises, jeudi 28 avril, toujours à 10h, je vois qu'Hélène confirme. Si vous pouvez recommander ce webinaire à des collègues, connaissances ou dans d'autres entreprises, il reste encore des places, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous, à le faire connaître autour de vous pour vous inscrire ou inscrire des connaissances. Et il ne nous reste plus qu'à vous remercier pour votre attention et la qualité de nos échanges et vous souhaiter à tous une bonne journée. Bonne journée à tous, à bientôt. Bonne journée à tous, à bientôt, merci, au revoir. Au revoir.